Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Imperator avec mes camarades Sirikai et Lekastik. Bonjour. Bonsoir. Donc, Jean va baisser la vitesse à 1, on va faire nos trucs, on va prendre nos idées. C'est qu'en fait, au final, maintenant je pense que ça doit être moi le moins expérimenté au niveau du jeu, quoi. En fait, vrai, comme je disais à mes camarades, je me suis mis, je sais pas pourquoi, à sortir CK2 et depuis je suis mort sur CK2, quoi. Oh, c'est beau ça, moins de 6 corruption, moins 0,10. Ah, ou loyauté. J'hésite. Ma vraie raclure, je m'allie avec tout le monde sauf avec les connards qui sont à côté. Ce que t'as prévu de défoncer. C'est D'après ça. vous, vaut mieux quoi? Baisser la corruption de 0,10 ou augmenter la loyauté des généraux et des amiraux de 0,05? Non, la loyauté. Augmenter la loyauté. Augmenter la loyauté de ces connards, c'est vital. Ouais, c'est pas faux. Hop, allez, comme ça, on débloque ça. Ça me permet de débloquer le bousin. 100, on a 100, on va les garder de côté. Si, on va prendre. Et on va commencer doucement à taper ces connards, ou alors faire une déclaration de guerre, hop, sans Caius Belli. J'ai 200 points religieux, ils serviront à ça. Mais il faut, c'est la base. Va recruter la Hop. cavalerie également. Ah, j'ai pas de cavalerie, fais chier. Où est-ce qu'on peut voir merde, où est-ce qu'on peut voir les clans déjà? Gouvernement. Il y a trois clans. Pourquoi il y en a qu'un qui a une armée? Elle est où l'armée de mon autre clan? Ah non, ils sont là. Ils sont en train de s'enfiler, cette bande de sodomites. Ok, c'est qui mon voisin le plus gros que je vais lui mettre sur la gueule? Là, il a quelle taille? 25 pop. 51 pop, le mec! Putain, l'enculé! 49. 38, 53. Waouh. Soyez un petit fils de pute et attaquons le mec entre les deux là, celui qui a le moins de cohortes. C'est-à-dire celui qui en a 9 et pas celui qui en a 11. Oui, ça joue comme ça, je sais avec. Allez, voilà, vous êtes le salopard, c'est à lui. Moi, je m'allie avec tous ceux qui sont autour de ma future victime, là. Voilà. Et hop. La technique dite de la pute. Pour l'instant, on peut. Couverte action. Déclare. Ah oui, Ah putain, pas déclarer guerre avant le 1er novembre. Ah. Bon, pour moi. Trade route. Bon, il n'y en a pas. Moi, je me penche sur ça. 86, hop. Heavy cavalry, on peut pas. Des warriors, on peut pas. Bon. Une déclaration de guerre après novembre. C'est à partir, je t'assure. Oh putain, je peux rien faire là pour l'instant. Merde. Ok, pour moi c'est tout bon si vous voulez qu'on enlève la pause. Moi aussi, c'est bon. Ça me va. Va commencer gentiment par taper les glandus, hein. Mon armée arrive. Vous les 11 régiments. En face, il y en a 9. Bah, dès le 1er novembre, c'est les déclarations de guerre, coucou. Il est en défense avec Namnet. Mais quelle bonne nouvelle! Je t'aime pas non plus, Namnet. C'est drôle, ça. Ah, ah putain. Tant que j'ai pas 21, tant que j'ai pas 25 cités, je suis tranquille. Je peux casser la gueule à mes connards de voisins. J'ai pas d'un point stable, c'est pas grave, je le rachète. Moi, je me mets là. Ouais, ça, on s'en fout. Mes alliés. Belli, allez go. Hop.
Voilà, les délais servent à ça. Les alliés sont nos amis pour la vie. Qui croit à cette connerie? Après tout, vous savez quand je considère mes alliés, hein. J'ai toujours dit, un allié c'est comme un mouchoir. Tu le prends, et l'autre quand il est servi, bah, tu gardes pas un mouchoir dégueulasse à main. S'il est encore un peu propre, tu te resserres dans un autre coin, ça va. Et toi qui es trop utilisé, tu le jettes. Bah surtout dans celui-là, dans... C'est vrai que dans... Dans Imperator, c'est vrai que les alliés c'est vraiment du interchangeable, quoi. La forteresse là de Lyon, j'ai gratté la forteresse de l'autre. Je peux gratter les deux forteresses. Et les gens, si vous connaissez des gens qui sont assez cons pour oser vous acheter deux fois, c'est une occasion, les mecs. Hein. Jamais, vraiment jamais, à utiliser les cons. Comme on dit, les cons ça ose tout. C'est ça qu'on les reconnaît. Et comme il y a les pas des fois. Donc j'ai téléchargé le mode pour un mini ledger. Par contre, comment il marche, je sais pas. Mini ledger, je regardais vite fait. Nanana. Ouais, je sais pas. Enfin, je me penche dessus. Que des chariots, c'est ça qu'il me faut. Ben, peut-être que je libère un peu mes trucs là, comme d'hab, je suis une guerre, je vais me faire défoncer. Ah, quoique, ça, c'est quoi, on est en train de le sécher? Ah, bah c'est bien ça. On va laisser se prendre de l'attrition. Les gars, a commencé en 1950. Ça dure un petit peu, histoire de piller. Ça doit être 3 ans pour le sortir. Soit. Parce que vous savez, dans le jeu. Vous avez théoriquement la durée de 3 ans, c'est-à-dire que avant 3 ans, vous pouvez pas faire de paix séparée. Sauf si vous occupez intégralement un pays. Vous occupez entièrement, vous pouvez le sortir avant les 3 ans. Ce qui est un peu... Ce qui est limite logique, quoi, tu vas me dire. Vous gagnez un terme occupé, vous pouvez rien faire.
essayer de prendre Nantes par la force. Une très jolie ville Nantes. Et juste un petit problème avec Nantes, cette jolie ville. C'est qu'il y a trop de Nantais. C'est ça, c'est ça. Et que c'est en Loire-Atlantique. Le défaut de Loire-Atlantique, c'est qu'il y a trop de ces gens-là. Ils sont pas méchants en eux-mêmes, mais... Yes, donc lui... Vu que les Bretons vont acheter du pinard... Allez, lui, on va pouvoir le sortir de la guerre. Non, c'est pas des clichés, messieurs. Arrêtez de dire ça. Mais pas sous les alcooliques. Hein. Allez, allez, les gars, on prend la dernière province. Voilà. C'est fort peace. Non. C'est une. Voilà. On va sortir de la guerre. Ah, bah, c'est bon. On sort de la guerre. C'est tout de suite plus facile, la guerre. Par contre, quand j'ai dit que pour un pays, vous pouvez le sortir s'il veut occuper de ses provinces, c'est à condition que lui ne coupe plus de provinces sur les territoires à vous, chez vos potes. Hein. Qu'il ait encore des armées qui se battent, c'est pas hyper grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus de provinces qu'il contrôle, que ce soit les siennes ou celles qu'il occupe. Hein. Bon, on va les laisser rouler sur l'ennemi. Avec lui, il va là-bas. Avec lui. Et avec lui, c'est moi. Je vais là-bas. Ok. Parfait. Allez hop, moi ça fait moi tout ça. Je passe, j'essaie de passer vitesse 2 ou pas? Si tu sens capable. Bah je crois que c'est du poney moi. Là pour l'instant c'est calme. Enfin calme. Je mets quand même après. Je suis en guerre hein. Moi aussi. Tout le monde. Un bande de bourrin. Ça passe pas pour toi DK, j'ai l'impression que tu te fais occuper un petit peu. Oh, non, c'est l'impression. Ah, c'est demi. J'ai l'impression que c'est dur, mais bon, en fait, ça va. Je suis un bourrin, non, je vous permets pas de dire ça les gens. On suit un bourrin. Quoi? Quel chose que vous mettez ce qualificatif odieux. Le mec il donne une alliance alors que je suis en train de faire la claim sur sa tronche, il a pas compris le gars. Bah si, tu vois, c'est bon ouais. Là je suis une fucking biatch, je vois qu'il se fait taper, j'attends qu'il se soit fait péter le cul, comme ça quand il se fait péter le cul, je peux siéger sa province. Enfin, je peux siéger la province en mon nom. Faire leurs troupes.
Ça, c'est le Battle Royale qui a débuté là en Grande-Bretagne. Il y a tout le monde qui suit la guerre. C'est normal ça. Allez. Ah, le trader. Je n'exporte pas mes surplus. Mais ne pas exporter tes surplus. Hein. Décembre encore un an. Par quoi ils m'ont filé le territoire? Comment je l'ai pris cet enculé? Et bah pour l'instant, on va finir de défoncer cette armée. Non, trop d'hommes là. Pour 4. Ça vaut le coup d'augmenter tes freemen en citizen en étant. Bah ouais, parce que tes citizen en fait c'est ce qui te permet d'avoir ta recherche. Ouais, ça je sais bien, mais je savais pas vu qu'on a des freemen, je sais pas si on peut. Je vais te retrouver grave à la bourse sinon, technologiquement parlant. Ça vaut le coup, je confirme. C'est un peu le passage obligé. Tu grossis, faut prendre un ou deux ennemis autour de toi histoire d'être entre guillemets d'être le gros de la région qu'on puisse pas te taper. Et après, tu faut t'occuper de tes freemen, sinon ça va piquer. Ouais, parce que là, par exemple, tu vois, genre, c'est étrange, mais j'ai 21 mecs sur 62 peuples qui sont freemen, citizen, tu vois, mais ils me disent que j'en ai toujours pas assez. Alors que bon, je suis quasiment un tiers. Pourquoi il veut pas? 1, 3, ouais, faut qu'on dégage l'autre. Puis on prend la capitale, les gars, vite. Eh ouais, c'est un gros bill, mon chef. Ils font des bons GD, c'est enculé. J'adore ces cons qui viennent stack par stack. Du coup, bah, ils... au lieu de ramener leur gros stack d'un coup, bah, ils amènent leur petit stack un par un. Ils se font défoncer un par un, exactement. Ah, ils font que des culs un par un. Du coup, ils repartent deux fois moins nombreux. Moi, j'ai pas de 1700 mecs, ils ont pas de 2600. Et il y a eu le tungling de fin d'épisode. Allez, je mets la pause. On va faire ça propre. Hein. Voilà, il a compris quand il fait arriver. Donc sur ce les gens. T'arrêtes d'être médisant toi. Allez. J'ai rien dit moi. Connard. Sur ce les gens, on vous laisse. Allez, bye bye, à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Au revoir les gens.